Yo tout le monde, moi c'est Youp et aujourd'hui on se retrouve pour le let's play aléatoire du jour. J'ai nommé Ori and the Blind Forest, un jeu que j'avais vraiment hâte auquel j'avais vraiment hâte de jouer. J'en ai entendu beaucoup parler en bien, notamment au niveau de la musique qui est vraiment cool, ainsi que les graphismes qui sont très originaux et qui donnent une ambiance vraiment agréable au jeu, quoi. Après j'ai beaucoup entendu parler aussi du gameplay qui est très fluide, donc on va découvrir tout ça. Et voilà. Enfin, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce jeu pour ceux qui y ont déjà joué. Posez-vous tranquillement sur votre canapé ou sur votre fauteuil et enjoy.
Et voilà pour cette prologue, cette petite prologue bien sympathique et bien magnifique. Bon alors maintenant, le jeu commence pour de vrai. Ah! Mais je vais pas forcément beaucoup beaucoup parler, enfin je pense. J'en sais rien en fait. Après c'est vrai que je suis une personne qui aime bien parler en général, donc du coup je risque de le faire quand même, mais bon. Ça commence bien. Ok, donc le principe du jeu, au cas où vous n'avez pas compris, c'est de retrouver l'arbre, enfin d'aller voir l'arbre en fait. Et pour ce faire, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités. En fait, c'est un jeu de plateforme, donc on va se balader et trouver des entrées, des sorties jusqu'à arriver jusqu'à l'arbre, en fait. Et enfin, bon après, je dis tout ça, mais vous allez voir, en fait, tout simplement. Navi, serait-ce toi? Non, c'est Seni. Holy moly. Holy moly, vas-y viens. Moi je te défonce. Ah! Hop là. Aïe! Non mais... Voilà, en gros il faut aller jusque là. Enfin, c'est le premier objectif en tout cas. Et nous pour l'instant on est là et donc voilà, c'est ça. Il va falloir trouver un chemin, se frayer un chemin jusque là-bas en fait. En suivant des étapes, en résolvant des énigmes, etc. Tout simplement. Et pour ce faire, nous avons, pour nous aider dans notre quête, nous avons donc notre petite fée qui nous aide et qui peut améliorer ses compétences. Ouais, comme ça. Donc on va commencer par prendre la salve de flamme qui permet de faire plus de dégâts. 39 de plus pour obtenir un point de compétence supplémentaire. Voilà. Ça l'a pris. Sauvegarder ta partie. Une petite plateforme de téléportation pratique. Pratique, pratique, ça. Cool. J'ai gagné un point supplémentaire. Que je vais mettre là-dedans. Parce que du coup ça me permet
de pas avoir à attendre que les trucs tombent vers moi pour que je puisse les récupérer, les points d'expérience, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Hop. J'adore ce petit bonhomme, genre c'est super super fluide et genre beau quoi, genre c'est, enfin je sais pas, ça me met en joie rien que de le jouer en fait ou de le voir. Genre, ces petits sauts, ces petites mimiques, c'est trop cute, comme diraient certains. Hop. Alors ça, c'est les différents chemins que l'on peut emprunter. Si je regarde la carte, donc nous avons un chemin qui va vers en haut, un chemin qui va par là, un chemin qui va par là. Et là, c'est mon dernier point de sauvegarde, je crois. Bah écoutez, de toute façon, on va aller vers les grottes mystiques. Ah! Fuck, je l'avais pas vu, lui. Je l'avais pas vu, le salaud. Salaud! Ah, faut qu'on trouve deux pierres supplémentaires pour pouvoir ouvrir la porte. Fais pas le malin, toi. Hein. Ah oh. Il m'a eu. Il m'a eu. Ok, on va aller par là pour l'instant. Pour découvrir un peu tout ce qui s'offre à nous. N'oublions pas de tout détruire pour récupérer toute l'expérience qu'on peut. Je peux pas, non. Bah non, une fois que je suis là, je peux plus aller là-haut. Bon ben. Aïe! Merde, quel con. Ah là là, je vais finir par mourir moi, si ça continue. Ça va, j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. Aïe, merde, il en restait un. Oh là 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 là. Et j'ai gagné un point de compétence. Nickel ça. Récupérons notre vie. Sauvegardons et prenons. Nécessite Baise. Baise d'orientation. Ou alors permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Bah en fait je sais pas trop, donc du coup on va prendre à la suite à chaque fois. Ou sinon on va augmenter notre puissance, la puissance de la flamme spirituelle. Plus de dégâts, pour moins de difficultés. Oh. Ouais, moi je redonne vie à la forêt et du coup on me donne des compétences spéciales. C'est pas génial ça? Hop. Yep, yep. Trouver une cible d'énergie. Récupérer et consommer plus d'énergie. Cool. J'aime bien ces doubles sauts, genre en mode hop. Hop là. À la. Comment il s'appelle déjà?
à la Mario dans Super Mario 64. Mais ah, il tourne ses oreilles quand il vole. C'est mignon. Enfin, il tourne pas, c'est juste qu'il tourne sur lui-même en fait. Du coup, ça fait tourner ses oreilles. Ok, ça va, ça va. Du coup, le fait d'avoir récupéré ça me permet d'atteindre des endroits que je ne pouvais pas atteindre avant. Aïe! Mais arrête de m'embêter quand je parle, enfin. Un peu de respect. Ah oui. Non. Attendez. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans des endroits qu'on pouvait pas aller tout à l'heure, parce qu'on pouvait pas monter au mur. Ça, peut-être qu'on pourra trouver des trucs intéressants. Je sais plus où c'était. Ouais, là. Ah. Quoi, je suis pas allé là tout à l'heure. Une pierre carte. Utilisée à 10 comme point de repère dans la forêt de Nibel qui ne cessait de s'étendre. Si on trouve un fragment de pierre carte, nous pourrons le reconstituer. Ok, mais c'est quoi une pierre carte? Ça sert à quoi? J'en ai un? Non, j'en ai pas. Ah, d'accord. Par contre, il y a un fragment là. Pour ouvrir la porte. La puerta, por favor. Yelta! On va faire la vie. Sans se faire toucher par ces petits trucs là, tout pourri. Allez. Mais alors? Ah non, d'accord, faut que je le tape. Il fallait que je le tape. Très bien. Je peux en mettre un déjà. Pas mal. Plus qu'un et on est bon. On peut ouvrir la porte. Ah, je t'avais pas vu, mais je t'ai évité d'instinct. Ok, on va retourner vers le terrain de Noiracine. Parce que je pense que c'est important, genre, de vraiment tout visiter et tout prendre, en fait. Vu que c'est ce qui permet de d'avancer dans le jeu, quoi, tout simplement. Sauf que, bah, mais c'était où, déjà? Il y avait un endroit où je pouvais monter. C'était pas là? Je croyais que c'était là-bas. Serais-je déjà perdu? C'est peut-être en bas. Attends. Je peux pas aller en dessous, non? Non, mais ça doit être là-bas. Ça doit être là, oui, c'était là, oui, c'est ça. Allez, mon pote, oui. Cette statue n'est pas inconnue. Tu l'as déjà vue quelque part? Ah bon? Pas moi. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est la famille de ma mère adoptive. Ah, d'accord. Ok. Ma mère était vraiment bienveillante alors. Terrier de Noiracine. Oh, ok, du coup ça me développe, ça me débloque une toute autre partie de la map qui est là. Bah, on va voir ce qu'il y a là, tout simplement. Aïe! Ah! Oh, je vois pas grand chose ici. Hein. Je descends un peu à l'inconnu. Ah! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vois rien du tout. C'est trop triste. Je sais pas. Waouh! Ok, je suis revenu super loin. C'est pas grave. Ah, j'aurais dû enregistrer avant, je suis con. Ah, du coup, j'ai même pas récupéré ça. Oh là 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 là, c'est terrible. Terrible. Bon, je crois que faut pas que j'aille là-bas pour le moment. Donc, je sais pas trop. On va continuer à se balader, à explorer. On va bien voir ce qu'on va trouver. De toute façon, hop là, tu vas y arriver, Bali. J'ai confiance en toi.
Je voudrais sauvegarder avant de faire des trucs comme ça, moi. Hop. Aïe! Ah! Putain, je les vois pas arriver avec toute cette lumière. C'est triste. Bon, est-ce que je retourne là-bas ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne saurais dire. Je dirais que non. Je dirais que non, mais bon, qui sait. En tout cas, tout à l'heure, j'ai pas découvert ça, donc je vais le redécouvrir maintenant. Hop. Ah oui, bah oui, forcément, le fragment. J'avais oublié de le prendre celui-là. D'ailleurs, on va sauvegarder maintenant, comme ça, au moins, on l'aura. On n'aura pas besoin de retourner ici. Si jamais on meurt... Tu mourras pas, pas cette fois. Hop. Hop là, on place le fragment. Et on continue. À la croisée des chemins. À la croisée des chemins. C'est ici. Alors du coup, on va aller vers le bosque creux. Pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Ah, j'étais sûr qu'il me toucherait lui. Bon, c'est pas grave. Hey! Cool, j'étais pas allé là tout à l'heure. Bon, je peux pas monter là-haut. C'est trop haut. C'est trop haut pour moi. On va se regarder d'ailleurs. Je peux pas aller là-bas non plus. Bon, ok. Je pense que du coup, on a fait à peu près le tour. Après là-bas, c'est Noir Racine du coup. Et bah, comme on l'a vu, ça sert à rien d'y aller parce que de toute façon on n'y voit rien et puis on va juste mourir continuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer par là-bas. Je l'avais posé ça déjà. Ah oui d'accord, ok, ça, il me revient dessus, ok. Fort bien. Ah putain, mais je fonce dedans quoi. À force de... J'essaie de l'éviter mais j'y arrive absolument pas. C'est triste. On ne crache pas sur de l'expérience. Viens ici, toi. Hop là. Salut. Salut, Bali. Comment ça va, ta vie? Tranquille. Bon, alors là, il s'avère que... il y a une petite énigme. Une petite énigme. Donc je vais sauvegarder ici. Hop. C'est-à-dire que je dois traverser tout ça. Sauf que... Ah, aïe! Quel con. Sauf que là, pour aller là-haut, là... Et pour ça, il me faut la pierre qui est actuellement ici. Et donc il faut que j'arrive à la pousser jusqu'au bout. Sans me faire toucher par ces trucs là. Alors on va commencer comme ça. Ah vite Alors le truc c'est que je peux faire comme ça. Hop. Pour essayer. Ah. Aïe. Vas-y, pousse 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 pousse. Ah merde. Bah, je devrais aller sur le rocher. Hop. Ah, ah, non, non. Oh, fuck. Pousse, 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 pousse. Pousse, 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 pousse. Attention. Aïe. Eh, merde. Putain, j'aurais dû sauter. Je le sais en plus. Je le sais en plus. Enfin, on va attendre qu'elle passe. Hop. Allez, 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 mon grand. Ou ma grande, je sais pas d'ailleurs. Aouh. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Merde, 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 merde. Ok, parfait. On continue, on continue. Hop. Aïe. Ah putain, je vais... si je crève comme ça quand même, je suis presque là.
Ce serait dommage quand même. Cool. Parfait. On a réussi. Nickel. On va se regarder aussi tant qu'à faire. On va récupérer ça. Hop. Hop là. Parfait. Shift pour activer des objets. Cool. Ah! Là, je vais crever du coup. Ah, un fragment de pierre carte. Cool. On va pouvoir activer les pierres cartes. La pierre carte. Qui était. Je sais plus où d'ailleurs. Peut-être là-bas. Peut-être là-bas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, le fragment de pierre carte? Oh, cool. Ça me permet de voir toute la carte. Sympa, ça. Ça, c'est mon dernier point de sauvegarde, du coup. Ah, c'est sympa, ça. Dis donc. Apparemment, au bout d'un moment, je pourrais aller dans l'eau. Pour l'instant, si je vais dans l'eau, ça me tue. Tout simplement, sans pression. Du coup, ben pour l'instant, je peux pas aller là-bas. Bon, là, c'est là d'où je viens. On s'en fout. Là, c'est la croisée des trois chemins. Ah non, moi, je viens de là. Non, je sais pas. Bon, du coup, on va aller... on va aller où? On va aller par là. Tout simplement, aller voir ce qu'il y a là-haut. Je pense que c'est ça. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Du coup... Hop, on récupère de la vie aussi, t'as qu'à faire. Ah! Ah oui, c'est vrai, je peux activer ça du coup. Bon, on va passer par là. Suivant le chemin qui me mène là-haut. Intéressant, intéressant. Hop. Aïe. Fuck you. Oh là, j'ai failli passer. Allez, monte mon poteau. Voilà, c'est bien. Hop. Ok, on récupère de la vie. Et on monte, c'est bon, nickel. Nickel, t'es trop fort mon gars. Love you. Pourquoi il y a un truc? On peut pas y aller en bas là, on est d'accord. Ah! Oh fuck. J'ai me souffé surprendre. Tristesse et infamie. Cool, on va pouvoir récupérer de la vie. Ah oui, d'accord, ok, faut que j'aille à droite. Ah, mais non. Oh. Come on. Voilà, très bien. Parfait. On va monter maintenant. Hop là. Et voilà. Excellent. On peut les détruire? Non, on peut pas les détruire, ces trucs là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah mais j'y suis à l'arbre du coup là. Stylé ça. Ah oui, je suis d'accord, ok. Bon, c'était la première mission du jour, du coup.
Bon, mais j'espère que ce petit début de vidéo de Let's Play sur Ori and the Blind Forest vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir la suite si ça vous plaît. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Salut!